Ah Gauthier, t'en fais là. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, tu vas pas le croire. On a enfin trouvé la véritable cause de la déforestation. Et tu vas pas croire qui c'est. Tada! Quoi? Tu la reconnais pas? Bah regarde bien! C'est Vital! Bon, ok, c'est vrai qu'elle est déjà assez réputée pour son extravagance vestimentaire, mais de là à s'habiller en arbre, elle a quand même frappé fort, non? Mais en fait, une véritable question reste à poser. Qui est l'auteur de cette œuvre rocambolesque et qui veut en finir avec nos yeux? Quand même, parce que ça c'est fort, hein. Je crois que nous allons tenter de retrouver le styliste Vital. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir, nous sommes à la recherche du styliste de Vital. Moi je ne la connais pas. Mais ça vous dit rien? Ah, c'est Jésus. C'est Dieu, oui. What? Jesus Christ? Qu'est-ce qu'il raconte? T'as déjà vu Dieu toi? Non. Mais alors? Bon, c'est un fétiché. Oh my god. Je crois qu'on est mal barré. Hein. Tu... Bon, Vital, elle chante. Bon, ça il y a longtemps. Hein. Oui. Bon, elle représente ici la mère Noël. Hein. Bon, ça nous intéresse pas parce que n'a rien à voir avec Vital. Mais c'est la Beyoncé d'Afrique, Eddy. Non, c'est pas Beyoncé, c'est Jésus. Non, c'est pas... Le styliste de Vital. Mais c'est toi? Mais attends, que Vital, Malala. Les enfants sont de Vital. What? Des gars. Ah, vous ne comprenez plus rien. Ok. Sinon, le Vital, là, c'est toi, c'est lui. Vous venez vous taper le cache-nez pour nous foutre la rue. Nous, on est Vital aussi. Oh, vous quittez là-bas, pour ne pas nous embrouiller là. Alors. Quelle humiliation! On cherche le styliste, celui qui a fait ça. C'est le vieux imam. Hein. C'est quoi? C'est lui qui t'appelle le vieux imam? Ouais. Non, c'est pas un imam, un gars qui l'accompagne. C'est tout. C'est que c'est ma zangbe dans le Bérino. On dit en sauce le styliste de Vital. Je connais pas le coin. Vous vendez des vêtements? Est-ce que vous vendez ça? Non, mais c'est une création. Oh, donc on est vraiment obligé de trouver le styliste de Vital. Du coup, vous savez où on peut le trouver, le styliste de Vital? Bien sûr. Mais dites-nous plus, c'est qui? Levitano, je crois, son nom. Vous savez où on peut le trouver? Vous connaissez sa maison? Bonsoir, on recherche un certain Levitano et... Oui, Lévi. Celui qui fait les habits, oui, en sapin, là. Il est quelque part là. Bah, c'est bien. C'est super. Bonsoir, c'est vous Levitano? Oui, c'est moi. Vous êtes en état de retrouvailles. Ah, pour plus d'explications sur ça. Ah ok, le fameux sapin. Alors Lévi, déjà, d'où vient l'idée de ce sapin? Le sapin d'origine, ça vient de Vital. L'année passée, on avait fait quelque chose de très waouh. Et cette année, elle a dit, bon Lévi, voilà, je veux un truc de fête. Et elle a sorti Noël en fait. Et Noël dit, waouh, c'est vrai un sapin. Elle dit... Voilà, un sapin. C'est passé comme ça en fait. Et ça vous a pris combien de temps? On va dire 3 semaines. Hein. Comment tu as fait pour les jeux de lumière? J'ai fait commander les LED là. Mm-hmm. Et j'ai fait un trou là où elle va mettre son bras, c'est-à-dire pour attraper, parce que j'ai branché avec un power bank en fait. Oui, j'ai branché avec un power bank et c'est ça en fait. Comment brancher là? Ça, c'est mon petit secret quand même. Hein. Et power bank très chargé en plus. D'autres disent qu'elle voulait s'étouffer. Oh, on dit en même bas. Qu'elle il restait un peu Vital à l'aide tombée dans les pattes. J'étais en bas. Il ne faisait pas chaud dedans, je vous rassure. Et puis s'il faisait chaud, on allait pourquoi pas mettre un ventilateur en bas. Really, nigga? Oui, ça pouvait se faire. D'ailleurs, est-ce que la fameuse tenue de sapin est là? Non, parce que Vital a tenu à garder sa tenue. Parce qu'elle a dit, le jeu de Noël, là, moi j'allume le truc. Non seulement ça permet de s'habiller, mais aussi de décorer la maison. Bon, revenons à toi. Ça fait combien de temps que tu es dans la mode? 3 à 4 ans que je me suis installé personnellement. En fait, sinon, j'ai travaillé pour beaucoup de stylistes, pour des marques européennes. Vraiment, ça a été un plaisir de retrouver Levitano, grand styliste, créateur voilà, de son état. Si moi je savais que je Vital, what? Moi je l'aimais, mon oh vitamine. God. Si moi je savais que j'aimais, un jour tout vitamine venait dans nous mon corps. Coupez les ogles. You.